Salut tout le monde, c'est Katast et aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de l'aventure catastrophique où l'on reprend eh bien nos petites potions puisque l'on avait décidé eh bien de choper notre lame de gaz lors de l'épisode précédent pour pouvoir continuer les potions et voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Et là-dessus, on va mettre nos petites fioles. Oh, c'est le bordel dans mon inventaire. Je ne me souvenais plus qu'il y avait autant de bazar dans mon inventaire. Ensuite, il nous faut potion. Une verrue du Nazor, il y en a une, donc c'est parfait. Petite verrue. Allez. Viens là. On va attendre que ça se fasse. Et en attendant, on va retourner voir nos amis les vaches. On va essayer aussi de redescendre. Elles ont pas grandi. Elles ont pas grandi du tout, ouais. On en avait trop tué. Non, j'ai pas un pet de cuir sur moi. Dans le bordel, on va remettre. Bordel, on va remettre les plumes. Qu'est-ce que je peux remettre dans le bordel? Dans la vie, dans la nourriture, on va remettre. Hop, les viandes, type ça, type ça, type ça, type le poulet aussi, je m'en débarrasse, type ça, parce que ça me permet de faire du pain. Les flèches, j'en ai un petit peu, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un peu. Il faudrait aussi une pioche en fer, donc l'intérêt, je pense que dans cet épisode, on va aller retourner dans les grottes. On va retourner, pardon, dans les grottes. Et, hop, la lame de ghast est là. On va aussi faire pareil avec la magma cream. Quoique non, on en avait eu plusieurs des magma cream, on avait déjà fait la potion. On avait déjà fait la potion. On avait potion de respiration, de rapidité jetable, de rapidité, de force, de résistance au feu. C'est plutôt pas mal. On pourra aussi faire des potions de poison, mais pas tout de suite. Et je propose qu'on... On attend ça ou pas? Si on va attendre juste ça un petit peu. C'est des potions de régène. Ça, c'est pas mal, la régène. Il en faudrait plus, des comme ça. De toute façon, il fait nuit, donc on va s'arrêter. On va se reposer. Donc, on va poser les potions, déjà. Hop. Et puis, ouais, je propose qu'on reparte dans les grottes, histoire de voir si on peut pas retrouver un peu de fer. Encore à nouveau. Parce qu'on a toujours besoin. Encore à nouveau. Encore à nouveau, encore à nouveau, encore à nouveau. Voilà, tout à fait. On va pouvoir aussi... Bah non, on a rien à enchanter, puisque... Finalement, on n'a plus de fer. On pourrait fusionner les deux plastrons Protec 1 ici. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, le plastron Protec 1, 2 qu'on a sur nous, on va également fusionner. Avec... Bon, on va les fusionner ensemble, en fait, les deux Protec 2. Si on a assez. Chose qui n'est pas dit du tout. Ici. Coup 2, bon, ici, on va pouvoir. Ça, on aura du Protec 3 sur nous. Toujours mettre le 9 en premier. Et voilà. Ce qui nous fait un Protect 3 pour nous. Et on est plutôt pas mal. On a assez de nourriture pour descendre dans les grottes. Et je pense que ça sera le début de notre épisode. Parce qu'il nous faut du fer. Qu'on est même plus capable de faire une pioche en fer. Donc même si on tombait sur du diamant, on pourrait pas le récupérer. Ça c'est terrible. On va descendre par là, je pense. On a fait des escaliers, mais c'était trop chiant de les prendre. Voilà. Hop, parce que comme on n'a pas tout exploré encore dans les espèces de grottes de la dernière fois, je propose qu'on essaye de continuer l'exploration un petit peu. Ça, faudra que je l'optimise. Va falloir que je me lance sur des projets un petit peu plus intéressants. Donc je pense qu'à partir du prochain épisode, on va se lancer sur un projet de construction. Puisqu'on fait pas mal en ce moment, c'est des épisodes un peu plus actifs, puisque je suis descendu dans les heures la dernière fois, aujourd'hui je descends dans les grottes. Donc on va tenter de faire un épisode un petit peu plus posé la prochaine fois. Et je pense qu'on va repartir la prochaine fois, donc du coup, sur un épisode un peu plus construction. Au passage, depuis quelques jours, je crois maintenant, on est passé à 300 abonnés. Du coup, je profite de cet épisode pour vous remercier, eh bien, de me suivre. Et ce sera tout concernant ce point-ci. Ensuite, nous allons, eh bien, récupérer du fer, car nous sommes un peu à court. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc, je récolte toujours dans des conditions un petit peu spéciales depuis la dernière fois, puisque je vous avais parlé du fait que je recordais par terre, donc là c'est un petit peu différent puisque j'ai foutu un matelas gonflable au sol pour que ça soit un petit peu moins horrible pour mon dos. Ça l'était et clairement c'était compliqué. Record dans ces conditions ça a été compliqué. Et du coup j'ai foutu un matelas au sol. Vous devriez voir l'espace de gaming, vous n'en croiriez pas vos yeux, c'est terrible. J'ai pas de saut sur moi si j'ai un saut sur moi. Ouais. Faut pas faire le con. 7. Et du coup, c'est assez drôle, mais bon, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. J'ai pas du tout pris de torche, comme un gogol. Et oui, c'est le cas.
Bon, du coup, c'est pas grave, l'objectif c'est un peu de récupérer du fer. C'est vraiment très intelligent ça. Problème, c'est que si on n'a rien d'éclairé, on va être emmerdé rapidement. Mince. Il faut que cela se propage. Quel petit lag, on dirait. On va se faire embêter par les mobs. Ça va être chiant. J'aurais dû prendre des torches. Après, je crois que j'ai de quoi crafter sur moi quand même. Mais j'ai pas de charbon. Du lapis, regardez. Prendre le lapis. Si on peut. On peut le prendre, oui. On peut le prendre avec une pioche en pierre. Est-ce que je pourrais pas choper du charbon quelque part? J'ai pas vu si on. J'ai pas fait du tout attention alors que je devrais. J'ai pas du tout fait attention si j'avais du charbon dans la zone. Punaise, il m'a fait peur cet abruti, je l'ai même pas entendu. Oh, une carotte! Les amis, je crois que c'est presque intéressant pour moi d'en monter tout de suite. En fait. Si je meurs avec une carotte, je vais être deg. Ça va le squelette trop pimp là? T'es sérieux? Y en a pas une qui va le toucher. Quand même. Ah non mais. Est-ce que je peux récupérer les flèches qui sont tombées ainsi? Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Bon. On a une carotte, est-ce que ça serait pas rentable pour nous de remonter? Non, pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. Faut ça d'abord. Je vais pouvoir faire quelques torches. C'est pas incroyable, mais ça sera mieux que rien. Est-ce que j'ai de quoi craft? J'ai pas de bois sur moi, mais sérieusement, j'ai tout reposé comme un gogol. Bien, il semblerait. J'ai deux torches. Qu'est-ce qu'on fait? On tente. Là, il y a du charbon. J'aime pas l'idée de creuser comme ça. Ok, c'est bon. Ici, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Je suis dans un trou, c'est terrible. S'il se passe quoi que ce soit, je suis mort. S'il se passe quoi que ce soit, je suis mort. Du coup, j'aime pas trop l'idée. Donc là on a un peu de charbon, du coup c'est cool. C'est un bon filon en plus. N'y a pas de lave en plus. Ça c'est plutôt cool aussi. Je vais descendre. Ah, fuck, évidemment. Fallait qu'à un moment ça arrive. Il y a deux blocs dans lesquels il y a du feu, hein, y a de la lave et c'est pile les deux blocs sur lesquels j'avais pas envie que ça tombe, quoi. Hop! Évidemment. Je viens de perdre mon eau. Il y a de la lave là? Non. Pas un moment. Bon, je vais au moins récupérer cela. Déjà ça. Creeper. On va s'en aller. On va s'en aller les amis parce qu'on a une carotte et qu'on aimerait ne pas mourir. Là, c'est la bonne surprise. Il était temps. On va pouvoir améliorer un petit peu nos plantations. On avait dit qu'on commencerait un gros projet dans pas trop longtemps. Du coup, pourquoi pas les plantations? Pourquoi ne ferait-on pas le projet d'automatisation des plantations pour la prochaine fois? Est-ce que je commencerai pas ça maintenant? Ça pourrait être pas mal. J'ai eu un peu de fer. J'ai eu un bloc. Super. Ok, super, ça sert à rien. J'ai pas pris de bois, mais je suis vraiment un mongol quand même. Bon, c'est pas grave, on a un peu de charbon ici aussi. On va le récupérer. Comme ça nous évite de trop galérer comme des nazes. En fait, le problème, c'est pas que j'ai pas pris de charbon, c'est que, ou de bois, c'est que j'ai pas pris de torche, tout simplement. Je surveille tout, et à chaque fois, j'oublie un truc. C'est terrible. C'est terrible! En même temps, ça s'appellerait pas l'aventure catastrophique sinon. Ouais. Oh, fait, bref. Je récupère au moins du charbon, c'est déjà ça.
pas beaucoup d'XP, mais ça en fait toujours un peu. Je vais pas cracher dessus. Là, c'est un creeper qui me tombe dessus dans le dos. Bon, ça va, je suis pas trop mal non plus. Bon, là, ça va me casser les pieds. Je le sens bien le truc dans lequel je vais tomber à chaque fois. Je vous le dis, je le sens d'avance. Ça sent le truc dans lequel je vais tomber à chaque fois. C'est pas par là, hein, évidemment. Je vérifie que si j'avais pas laissé de charbon par hasard. Ça aurait été possible. Me connaissant, ça aurait été possible. Allez, grimpe, Bobby. Grimpe, Bobby, grimpe. Là, il y en a. J'en ai pas besoin d'un million. Surtout que je suis sûr que j'en ai à la base, entre guillemets. Je dois avoir des blocs à tous les coups. Suis sûr que j'ai des blocs. Juste que j'ai pas pensé à regarder. Au moins, on aura eu un fer. Lolololol. Voilà. Papy, pile là-bas. Non, l'intérêt, franchement, ça aurait été plus la carotte que le fer, clairement. Et les vaches, comme ça, elles ont grandi un peu, c'est plutôt cool. On pourra leur donner à bouffer. Regardez-moi ça. On pourra leur agrandir leur. On recommence. Il faudra à l'avenir leur agrandir leur enclos. Parce que elles commencent à être un peu à l'étroit, les mademoiselles, et que je peux jamais en avoir autant que j'aimerais. Non, ce bois-là, je l'aime bien, donc du coup, je vais petit tout. Plutôt faire comme ça, je vais foutre ça là, parce que ça me saoule. La carotte. Ici, elle est précieuse. J'aurais bien aimé tomber sur une patate aussi, mais bon. Ce sera pas pour tout de suite. Et voilà. Hop. Et voilà, le charbon. Et là, on a ma torche. Et là, on peut y retourner. Et là, on peut y retourner, les amis. Bon, ça aurait été un aller-retour pour rien. Bien dommage. Je vais garder ça sur moi parce que ça peut être chiant sinon. Oh, quoi que j'ai beaucoup, beaucoup de torches là. Je vais en laisser un peu dans le coffre. Les os. Mince, dans la bouffe, je vais les mettre dans la bouffe en attendant les os. Parce que ça va me permettre de faire grosses les plantations. Grimper. Oh! Bonjour. Spam! Voilà, parfait. Voilà. Bon. Alors à partir de maintenant, l'objectif, ce serait quoi? Ce serait le fer. Objectif fer. On va l'appeler comme ça. Une vache! Qu'est-ce que tu fais là? C'est parti. Ah! Trop loin. J'y ai cru. Ça va, j'ai pas pris beaucoup de dégâts. Hein. Bon, le charbon, on n'a plus rien à taper. Si on peut tomber sur des diamants, on est à 23 sur les 30 qu'on s'était fixé comme objectif, c'est plutôt cool. Du coup, on pourrait terminer cet objectif. Les potions, on en a fait 10, ça y est. Donc l'objectif est validé, les 10 potions sont faites. Quoi d'autre? Hop, je suis quasiment sûr de tomber dedans. Ouais, les diamants, ce serait pas mal. Construire un village, on va commencer la construction du village, mais est-ce que je ne ferais pas d'abord une grande muraille? Est-ce que je délimiterais pas déjà le périmètre? Faudrait que je fasse ça, je pense que je vais délimiter le périmètre en off. Parce que ça risque d'être un peu chiant sinon. Et je vous montrerai le résultat. Je vous montrerai le résultat, quoi, tout simplement. Mais en attendant, je pense que je le ferai en off parce que ça risque d'être un peu longuet. Je vois qu'il y a de l'or là-haut. Donc je vais le prendre. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, j'en ai plusieurs. Parce que j'ai même pas de quoi faire une table de craft au cas où. Je peux pas la récupérer évidemment. Trisova. Ah là là. J'ai oublié pour l'or. J'avais oublié que pour l'or c'était comme le diamant. Là c'est l'objectif fer, vraiment. Voilà. Popalopopa. La partie la plus passionnante, bien entendu. Celle où l'on récolte des ressources.
C'est pas beaucoup battu non plus, bah en même temps on éclaire bien. Donc pas de raison qu'on trouve beaucoup de mobs. Je googolise complètement. Je googolise complètement. J'éclaire un peu tout ça, même si on remonte un peu trop à mon goût. Au moins on sait que ça c'est visité, qu'il n'y a rien d'intéressant. Peu de charbon, mais voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Je vais bloquer l'entrée parce que comme ça je me souviendrai qu'il y avait rien d'intéressant ici. Ça m'évitera d'y retourner comme un mongol. Je vais mettre un peu de lumière quand même parce que sinon ça va être chiant. On va aller voir par là. Ça va être un peu plus vaste déjà et un peu plus bas aussi. Ça remonte, mais il y a encore une fois rien d'intéressant. Que regardez, ça monte bien. Coup, j'observe quand même. Quand même observer le lieu. C'est intéressant de voir comment ça remonte. Si ça atteint une faille ou un élément comme celui-ci, ça peut être intéressant. Et en fait, ça n'atteint rien du tout, donc c'est tout pourri. Donc il n'y a rien qui m'intéresse ici. Donc je vais bloquer, pareil. Exactement la même. Rien d'intéressant. Hop. Sans bloc. J'ai besoin de charbon, j'y retournerai, mais en attendant, il n'y a rien. Donc, là, ça descend. Ça me plaît déjà un peu mieux. Quand ça monte, on peut se dire, ouais, on peut tomber sur un petit truc un peu sympa, genre une faille ou quoi, mais là, il n'y a rien. Là, il y a du fer. Je prends, évidemment. Les amis, je prends le fer parce que j'en ai pas assez. J'ai tout fait pour des armures. Du coup, j'en ai plus. Et comme en plus j'ai perdu mon stuff comme un mongol en me suicidant dans je ne sais plus quel épisode, parce qu'évidemment j'avais oublié de le retirer, j'avais prévu que je me suiciderais mais j'ai oublié de retirer mon stuff, ce qui est génial. Eh bien, forcément, tout le fer qu'on a gâché, c'est assez terrible. Donc là, je vais boucher tout simplement parce que c'était intrigant mais il n'y a rien. Hop, je pourrais récupérer ma torche, mais on est bien en torche, on s'en fout. Ici, je vais pouvoir boucher aussi. Et je vais aller par là. Si à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Après ça continue à descendre donc rien du tout. Rien du tout donc je vais carrément boucher en fait le passage ici. C'est rien de plus qui m'intéresse à ce niveau-là. C'est pas très clair quand même. Bon ça va, c'est quand même clair, on voit quand même que j'ai bouché. Ensuite, par là. Il y avait du lapis donc je vais quand même le prendre. Toujours servir. Même en termes décoratifs, hein, pas forcément qu'en termes ouais, je vais spammer les enchantes, machin, truc. Même en termes de blocs décoratifs, le lapis c'est bleu donc c'est joli. En termes de blocs bleus, il n'y a pas non plus un million de trucs donc. Puis j'aime bien. Chlore, je l'ai laissé parce que je ne pouvais rien en faire donc là il n'y a plus rien d'intéressant hein, du coup. Ouais, bah on va boucher carrément la grosse entrée là. Ça valide le fait qu'on a été voir tout ce qu'il y avait par ici. Voilà. Il n'y a plus rien par là. Par là, c'est la même chose, hein. Il n'y avait plus rien. On avait déjà tout vu. Je crois bien. Oui, on a bouché ici, donc carrément, on va boucher là. Soyons clairs dans ce que l'on fait. Soyons logiques. Voilà. Il n'y a rien d'intéressant ici. Maintenant, si on remonte. En fait, c'est ça, il suffit d'être organisé. Si on remonte, qu'y a-t-il par là? Pas toujours grand chose. Et là, ça me ramène où j'étais. Donc, y a rien d'intéressant. Par le fait de savoir que les mobs peuvent nous tomber dessus. Du coup, le côté gauche, on l'a exploré. Propose du coup d'aller par là. Parce qu'il y a ce passage-ci qu'on n'a pas forcément énormément vu. Puis beaucoup de caillasses aussi, il faudrait quand même qu'on creuse à un moment donné. Là, on y était allé par là. Est-ce que j'avais bouché? Oh, j'avais rien bouché par là, évidemment. What? Le truc, il tire dans le dos, quoi. Il est à l'envers, il me tire dessus quand même. Il attend quoi pour venir? Il est où? Bon, je vais m'occuper des dangers immédiats. Pour le creeper, on verra après.
Pas que je me perde aussi, ce serait terrible. Apparemment, j'avais déjà visité par là, mais j'avais pas été très organisé à ce moment-là. Tout ça, je l'ai vu. Il y a du fer là. Bon, je vais en prendre un petit bout. Quand même foutre de la lumière ici, parce que sinon ça va être chiant. Allez, regardez, ça monte en plus. Si on éclaire, on sera tranquille. Je crois avoir vu du fer dans mon dos, mais. Peut-être me trompe. Non, je me suis trompé. Pas de fer là. J'en ai fait tomber un bloc. Je sais pas où. Là. Voilà. Là, il y en a à droite. Si, un zombos. J'ai pas très envie de lui tomber dessus. Plus envie d'explorer par là d'abord. Bon, après, on va remonter parce que je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. On a vu ce qu'on a. Ouf, punaise. J'ai plus d'eau. Bah, parfait, je peux en récupérer. Donc, voilà. Parfait, non? J'ai plus beaucoup de caillasse non plus, donc l'intérêt pour moi maintenant c'est en train de récupérer quand même un peu. En faisant mes petits escaliers, tranquille. Voilà. Ça, je m'assure quand même un accès de sortie. J'ai checké là, avant toute chose. Là, il y a du fer. Mais il n'y a pas moyen de vraiment descendre easily. Du coup, je vais aller là d'abord. C'est possible qu'il y ait plus de choses à voir ici. Peut-être même un petit diamant, regardez, avec un peu de chance. Je vais mettre des torches. Hein. Et de la redstone, pareil, j'en prendrai quand j'aurai un peu plus la foi. Là, il y a le fer qu'on a vu tout à l'heure. Je crois que c'est celui-là qu'on a vu tout à l'heure. On était au-dessus? Non, pas du tout. Bon, du coup, il y a du fer. Et du coup, je prends, évidemment. De toute façon, même si je tombais sur un diamant, je pourrais rien en faire. Alors, même si c'est du diamant. Lololol. Pas encore les réflexes de cliquer droit pour me protéger. Ils sont deux, les salauds. Allez, du coup, ils s'entressuent, pas mal! Allez, les amis, amusez-vous. Ah, c'est pas beau ça! C'est carrément cool. Bon, là, je commence à me perdre, je me connais. Je sais que là, ça commence à être la mauvaise idée, tu vois. Tchatchewa, ça commence à être la mauvaise idée. Parce que là, je commence à me dire que je vais pas pouvoir retrouver facilement la sortie. En général, quand je me dis ça, c'est qu'il est déjà presque trop tard. Pourtant, je suis sûr que vous êtes là en mode, mais c'est facile, oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, j'ai pas un sens de l'orientation dégueu, mais c'est plus IRL. Je vous avoue que dans les grottes de Minecraft, c'est toujours une horreur. Pareil dans le Nether. Là, il y avait du fer, je suis obligé de le prendre. Alors, je vais avoir éclairé parce que je me connais, sinon je vais encore me faire surprendre. Mais bon, de toute façon, les amis, on va pas tarder à s'arrêter, je pense. On va ramener ce fer, si durement gagné, en haut. Pour le prochain épisode, je propose que l'on s'attaque, eh bien. Quelque chose là? Par le lapis. Ouais, dès qu'on n'illumine pas un millimètre, on se fait déjà pourrir. Parfait. Donc là, on va illuminer quand même, parce que sinon c'est chiant. J'aimerais pas me faire knockback en avant par un squelette alors que y a de la lave devant. Ok, y a plus rien ici, hein. On se casse, les amis. Je vais essayer de retrouver mon chemin rapidement. Si je le retrouve pas, je vous laisse ici. Normalement, ça devrait pas être trop. Ah non, j'ai faim. Punaise, j'oublie tout le temps la bouffe. Je suis vraiment un mongol. C'est terrible. Terrible à quel point des fois je mongolise sur ce jeu. Bon, en fait, c'est facile, regardez.
Regardez, je me suis perdu, c'est facile. Du fer, je le reprendrai la prochaine fois, on n'y est plus. Oh, ça brille. Comme. Ok, ça a l'air d'être une faille. Ok, super. Super, super. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. L'intérêt pour moi maintenant, c'est d'essayer de revenir où j'étais. Hop, voilà. Je pense qu'on peut essayer de retrouver notre chemin comme ça. Je vois que j'ai mis des torches. Donc on doit pas être très loin. Quoique. Eh, c'est la faille qu'on a vue la dernière fois. On l'avait vue de ce point de vue-ci. Ça fait deux fois que je tombe sur cette faille et deux fois que je suis surpris en la trouvant, quoi. C'est trop drôle. Trop drôle. Voilà, c'est là. C'est là, les amis. Donc, du coup, les amis, si cet épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À partager la vidéo également, m'en joindre sur les réseaux sociaux qui sont comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Bon visionnage à vous, c'était Katast et ciao, ciao!